Voici un premier faux raisonnement. J'en ai parlé dans mon pays et ça a été mal compris. Je crois que c'est l'occasion pour arranger aussi. Voici un faux raisonnement qui est lié à notre coutume, parce que j'avais dit que les faux raisonnements proviennent de la génétique, proviennent de la culture, de l'instruction, de la coutume et même de la religion. Et là, ça touche à notre coutume en tant qu'Africain. Ça ne se vérifie pas souvent chez les Occidentaux, mais souvent chez les Africains. Voici ce faux raisonnement que nous avons. Et cela concerne les veuves et les orphelins. J'aimerais que tous les veuves me suivent et tous les orphelins et tous les futurs veuves, toutes les futures veuves et tous les futurs orphelins. Qui est futur orphelin ici? Oh, tout le monde, ton père n'est pas éternel. Alors écoute bien. Qui est futur veuve ici? Oh, ton mari ne mourra jamais. C'est encore ça le problème des Africains, ils n'aiment pas qu'on parle de la mort, alors que nous accompagnons plein de gens, pleurer papa, pleurer leur mari, mais nous pensons que quand il s'agit de nous, ça ne va jamais arriver. Ton père va mourir un jour, ton mari mourra un jour, alléluia, que tu le veuilles ou pas, ton mari mourra, ton père mourra, alléluia. C'est pourquoi vous refusez de faire des testaments et vous mourrez. On va chercher un testament. Il n'y en avait pas. Tu avais peur de faire un testament comme si le testament ouvre la porte à un esprit de mort. Mais pourquoi aussi vous n'avez pas peur de faire des grosses photos qu'on met devant vos catafalques? Vous avez peur de faire des testaments, mais vous n'avez pas peur de faire des grandes photos qu'on mettra sur votre cercueil. Ne faites pas aussi des grandes photos parce que ça se met aussi sur le cercueil. Faites des testaments, faites des testaments, faites des testaments. Africain, fais le testament, fais le testament, fais le testament. Comment tu peux être un millionnaire? Tu n'as pas de testament. Tu as 10 maisons, tu n'as pas de testament. Tu attends que les anges puissent partager tes biens et que le Saint-Esprit puisse parler à ton père, à ta mère et à toute la famille sorcellerique. Alléluia. Alors ce message concerne les veuves, concerne les orphelins, les orphelines et concerne les futures veuves et les futurs orphelins. Voici cette forteresse. Il faut se laisser dépouiller après la mort de son mari ou de son père pour éviter d'être bouffé par les sorciers. Je vous assure, c'est parmi les forteresses qui sont en train de maintenir les familles africaines dans la pauvreté. Vraiment, comprenez-moi très très bien. Vous savez, une société qui n'est pas bâtie sur une bonne mentalité est appelée à engendrer des pauvres et des archipauvres. Parmi les causes de la pauvreté en Afrique, c'est ce principe-là. Des veuves qui ont peur de la belle famille, des orphelins qui ont peur des oncles. Et papa meurt, laisse des voitures, des maisons. Et un oncle villageois vient et il entre dans la maison. Il prend les documents et on a peur de lui parce qu'il est sorcier. Vous devez savoir que la plupart ne sont pas des sorciers. Ils ont des visages bizarres à cause de la pauvreté, mais ce ne sont pas des sorciers. Alléluia. Ils ont des visages bizarres à cause de la pauvreté, mais ce ne sont pas des sorciers. Et vous les laissez prendre les biens. Même si ce sont des sorciers, la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si ce sont des magiciens, la Bible dit que celui qui est en toi a dépouillé les autorités, les dominations. Même si ce sont des sorciers, la Bible dit que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et dans la puissance de l'ennemi, il y a la sorcellerie. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, arrêtez de vous faire dépouiller en ayant peur de la sorcellerie, car Jésus est en vous. S'ils viennent prendre les biens, n'ayez pas peur. Prends les documents, garde-les. S'ils les réclament, ne les donne pas. S'ils invoquent le diable, invoque Jésus-Christ. S'ils font des incantations, tu pries en d'autres langues. S'ils font des incantations, tu pries en d'autres langues. Donne-moi la main. Vous devez arrêter de vous laisser dépouiller. Regardez ceci, un homme se bat,
depuis sa jeunesse, il fait des affaires et puis il arrive à avoir 10 millions de dollars. Et ces 10 millions de dollars, c'est pour ses 3 enfants et pour sa femme. Mais lorsqu'il meurt, voici que des villageois viennent du village et sa famille constituée de 100 personnes divise cet héritage. Qu'est-ce qu'il fait? Notre héritage et notre fortune ne croît pas, ne grandit pas, mais il se dissout après la mort de celui qui a bossé. Pendant que nous nous comportons ainsi, nous les Africains, les Juifs amassent les richesses, les Anglais amassent les richesses, et comment nous serons aussi riches qu'eux si nous, après la mort d'un riche, la famille devient pauvre? Donne-moi la main que je te parle, hein? J'aimerais dire à tout homme en ce lieu, tu ne dois pas seulement être là pour envoyer ta femme, achète-moi ceci, achète-moi cela, fais ceci, fais cela. Tu dois bâtir une femme kamikaze, une femme commando qui n'a pas peur de ta famille. Et tu dois parler à ta femme et pour lui dire, si je meurs, ne te laisse pas faire. Si je meurs, ne te laisse pas faire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais tel est sorcier, il ne te fera rien. Pendant que tu es vivant, tu dois préparer ta femme comme Jésus-Christ a préparé l'église à affronter le monde en donnant le Saint-Esprit au monde. Tu dois préparer ta femme, homme, engendrer des femmes fortes. Tu dois parler à tes enfants, des papas. Tu es riche, papa. Tu travailles de tout ton cœur, mais tu ne causes jamais avec ton garçon qui est l'aîné de la famille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dois parler à ton enfant et lui dire, c'est toi mon aîné, c'est toi mon héritier. Tu dois veiller sur tes frères et tes sœurs. Et ça, c'est ta maison, ça, c'est ta voiture, ça, c'est ton entreprise, que personne ne te l'arrache. Et s'ils osent, tu les amènes au tribunal. Tu les amènes au tribunal. Donne-moi la main, je dis tribunal. Nous devons renverser cette forteresse en Afrique, sinon nous serons pauvres et toujours pauvres et toujours pauvres, car il était démontré que celui qui n'a pas travaillé pour une richesse ne sait pas la multiplier et l'entretenir. Quelqu'un se bat, il a 10 millions, mais il vivait dans la simplicité. Celui-là, il attrape seulement 1 million. Il achète une Ferrari, il achète une Rolls, il dort dans des hôtels 5 étoiles. Pourquoi? Il ne connaît pas la souffrance. Mais ton enfant connaît ta souffrance, ta femme connaît ta souffrance. C'est comme ça que nous recommençons à zéro. Tu dois laisser des paroles sur ta richesse et tu dis, celui qui touchera ma richesse, il sera maudit. Lui, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et tu auras des apparitions dans ton sommeil, Nafinyo Kingo. En français, je t'étrangle. Oh, donne-moi la main, hein. Donne-moi la main. Tu oses toucher la richesse de ma femme, tu seras maudit, toi et tes enfants. Tu oses toucher la richesse de mes enfants, je t'assure, tu ne prospéreras jamais. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit, c'est la bonté qui est le fruit de l'esprit. Les chrétiens, vous êtes trop gentils, c'est pourquoi on vous arrache ce qui est à vous. Vous êtes trop gentils. Jésus-Christ n'est pas que le lion de la tribu de Judas, n'est pas que l'agneau de Dieu. Il est aussi le lion de la tribu de Judas. Il y a un temps pour manifester l'agneau, un temps pour manifester le lion. Et lorsqu'on veut prendre les biens de tes enfants, tu dois devenir une lionne, une lionne, une lionne. Si notre mari est le lion de la tribu de Judas, nous sommes les lionnes de la tribu de Judas. Nous sommes les lionnes de la tribu de Judas. Donne-moi l'amen, hein. Donne-moi amen, hein. Donne-moi amen, hein. Chère veuve, ne soyez pas des veuves assises. Ou quand, je ne sais pas chez vous, ça se passe comment. Chez nous au Congo, c'est terrible. Lorsqu'il y a le deuil, ils sont des stratèges, ces sorciers pauvres. Ils demandent à la veuve de s'asseoir par terre et de dormir par terre. Vous savez, c'est la stratégie pour monter dans la chambre. C'est la stratégie pour aller dans les bureaux, chercher les documents. Soyez des veuves debout, des veuves debout. Tu pleures, mais tu es debout. Tu pleures, mais tu as la mallette entre les mains. Tu pleures et tu causes avec les avocats. Tu pleures, mais tu surveilles, tu contrôles. Ne dormez jamais par terre. Ne dormez jamais par terre. Ne dormez jamais par terre. Donne-moi la main que je te parle. Hey, chalabra. Pendant que moi je suis vivant, ma femme dort sur un bon lit et moi je meurs, on va lui demander de dormir par terre. Pourquoi? Pour que je ressuscite, je ne vais pas ressusciter. Maman, arrêtez de dormir par terre. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on va te faire si tu ne dors pas par terre? On va te taper, on va t'amener en prison. C'est ça qui me... Vraiment,
Vous m'étonnez. Une femme de 70 ans est là devant toi en train de te surveiller. Toi, tu as 30 ans et tu as peur d'elle. Elle va te taper. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Oh, dors là. Je ne dors pas. Je dors dans la chambre. Je suis déjà éprouvé. Vous voulez maintenant que je puisse souffrir des poumons? Oui, je suis déjà éprouvé. Et puis que j'ai eu mal aux côtes. En plus de ça, j'ai perdu mon mari. Et puis que je dorme par terre et que j'attrape une maladie. Et vous dormez par terre. Dans mon pays, vous savez ce qui est pire encore? On lave la veuve. On la lave. Hein? Hé! Maman, tu laisses des vieillards te laver, te voir comme tu es. Refuse. Demande l'eau, lave-toi toi-même. Et pourquoi d'ailleurs on doit se laver? Est-ce que ton mari qui est mort est un démon? Est-ce que c'est un démon? Je me lave parce que je veux se mettre propre. Mais on ne se lave pas par rapport à un mort. On ne se lave pas par rapport à un mort. On se lave par rapport aux microbes. Je vais vous donner un verset qui souffre de blessures intérieures dans les églises. Dis renversé. Quand on renverse, on n'est pas gentil, hein? Alléluia. Dis renversé. Romains 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Orphelin, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Veuve, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est dire quoi? Si ta famille prend les biens de ton mari et tes biens et les biens de tes enfants, va chercher le magistrat qui est un homme de Dieu. De la même manière, vous nous cherchez pour les démons. Cherchez les magistrats pour les dossiers juridiques. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas acheter le droit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas régner la connaissance. Des chrétiens qui pensent qu'aller voir un avocat, c'est un péché. Oh, Jésus est mon avocat. Il est ton avocat spirituel. Mais pour ce qui s'agit de cette terre, tu as besoin aussi d'un avocat physique. Sinon, tous les frères qui étudient le droit, vous êtes des pécheurs. Vous faites le travail de Jésus. Veuve, tu dois traduire ta belle famille en justice. Vous voyez, quand on renverse des forteresses, ça choque. Oui. Orphelin, tu dois traduire tes oncles en justice. Ils ont pris vos voitures, vos maisons. Vous n'étudiez pas, vous ne mangez pas et vous priez. Pourquoi tu pries? Dieu t'a déjà béni. Va récupérer ça. Va chercher un magistrat. Va chercher un avocat. Lorsque les veuves et les orphelins vont découvrir ça, vous allez remarquer que la sorcellerie va diminuer. Parce que ce n'était pas la sorcellerie. Ils profitaient de l'ignorance. Pourquoi on ne fait pas ça en Europe? Oh, si tu vas voir, tu vas finir en prison. Les sorciers là-bas, ils ont disparu. Pourquoi? Ils ont peur d'aller en prison. Donne-moi la main. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à tous les jeunes. Quand tu n'es pas marié, tu veux choisir une femme. Ne choisis pas seulement une femme qui marche bien quand elle a les talons. Choisis une femme aussi qui sait arracher ce qui est à elle. Arracher ce qui est à elle. Pourquoi? Tu risques de mourir et elle ne fait que pleurer. Il faut épouser une femme qui est forte. Une femme qui est courageuse. Une femme debout, une femme solide, une femme intelligente, une femme qui connaît ses droits, une femme qui peut défendre ses enfants. Il ne faut pas épouser seulement une femme parce qu'elle est belle, mais il faut épouser une femme qui a une personnalité et qui n'a pas peur de la mort et qui n'a pas peur de la sorcellerie. Sinon, tu vas travailler pour rien. Africain, écoutez-moi. Si Dieu me prend ma femme, personne ne touchera, même pas 100 dollars. Ils n'auront que ce que j'ai écrit. Ça, je laisse à tel, rien que ça. Le reste, c'est pour ma femme et mes enfants.
Et ce que j'aime dans ma famille, nous sommes une famille congolaise, mais nous vivons comme des blancs. Mon père a perdu ses frères et sœurs. Il n'a jamais rien touché. Mais il va seulement, il les aide à partager. Il donne aux enfants et aux veuves, il s'en va. Si tous les Africains pouvaient être comme mon père. Car aujourd'hui en Afrique, certains hommes n'ont comme seul travail attendre la mort de leurs frères. Des détenteurs, des sorciers, il attend. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'attends la mort de mon frère. Sorcier, tu mourras avant. 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 Je dis, toi, tu mourras avant. Toi, tu mourras avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu mourras avant. Donne-moi la main, hein. Et si ici, et partout vous me suivez, tu t'appelles chrétien, tu as pris les biens d'une veuve et d'un des orphelins, tu dois rendre. Rendez les biens des orphelins. Si réellement tu t'es converti dans la repentance, il y a ce qu'on appelle la restitution. Comment tu peux être là? Tu es venu à l'église avec la voiture des orphelins. Ils vont à pied. Et puis tu viens avec un témoignage. J'ai béni, tiens, il m'a donné une voiture. Menteur, voleur. Dieu t'a donné une voiture. Tu as volé la voiture. Allez rendre les biens des orphelins. Allez rendre les biens des veuves. J'ai une nouvelle maison. Menteur, voleur. C'est pourquoi tu n'as pas le sommeil dans cette maison-là. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des orphelines. Et vous savez, mes frères, si être l'église, c'est seulement prier, sans influencer la société, nous sommes en train de rater notre rôle. Parce que si vous écoutez un tel message, qu'est-ce que toi tu feras? Lorsque ton frère va mourir, tu ne toucheras pas ses biens. Parce que c'est nous qui sommes les futurs oncles. C'est nous qui sommes les futurs beaux-pères. Si cette parole entre en toi, tu ne vas pas déranger la femme de ton enfant. Tu ne vas pas déranger la femme de ton frère. Comme moi, je ne dérangerai jamais les femmes de mes frères. Ce qui fait que l'évangile touche à la culture. Mais le problème, c'est que nous prions, mais nous avons toujours des forteresses. Le même qui prie, qui parle en langue, lorsque son frère meurt, il devient démoniaque, sorcellerique. Où sont les biens? Où sont les biens? Fais sortir ça. Il est diacre à l'église. Il est en train de malmener une veuve, diacre à l'église. Allez rendre les voitures. Sois un piéton et tu vas au ciel. Qu'avoir les biens des orphelins et des veuves. Tu es maudit parce que tout ce que tu as pris des mains des veuves et des orphelins. Ce qui est énervant des fois, tu vois quelqu'un qui prie à l'église, qui chante à l'église, et tu vois des gens venir du village, et puis ils disent, donne, si tu ne donnes pas, tu vas voir. Et le chrétien qui dit qu'il a Jésus en lui, je ne veux pas de problème. Yoga Baba, je veux des problèmes, je veux des problèmes, et je vais même vous demander, vous viendrez à quelle heure la nuit, hein? Parce que moi je vous attends à 2 heures. Venez, vous allez voir. Rindo kosakabaya, yakada zayaba, rokabazeketaya, menda la brazayaba, shanda la bayanda. Je frappe d'aveuglement les sorciers. Je détruis leurs projets. Frère, n'ayez pas peur de la guerre. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. N'ayez pas peur de la guerre. La guerre révèle la force. La guerre révèle la puissance. Si ce message pouvait être entendu par toute l'Afrique, si ce message pouvait être entendu par toutes les veuves, partagez ce message aux veuves et aux orphelins. Il faut la révolution des orphelins, la révolution des veuves. Il faut la révolution des orphelins, la révolution des veuves. Sinon, nous travaillons pour rien. Regarde comment j'ai prêché hier avec l'atout. Et puis rien vient prendre. Et puis dis quoi, hein? Je prends un avion, je risque ma vie. Et puis toi tu viens parce que tu as mon sang. Si tu es le frère d'un homme riche, oublie-le, travaille toi-même. Si tu es le frère d'un homme riche,
bosse dur parce que c'est un homme comme toi. Il a travaillé, toi aussi travaille. Comment toi, tu peux compter sur un homme qui est comme toi, qui a deux mains, qui a deux pieds. Tu es un paresseux, tu es un paresseux, tu es un paresseux, tu es un charognard, tu es un parasite. Parasite charognard. Ce sont les charognards qui attendent la mort des autres pour manger. Ce sont les parasites qui attendent la mort des autres pour se nourrir. L'une des choses qui fait que l'heure peut développer, c'est à cause de ça. Vous avez une fortune qui a commencé il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Des familles comme Rothschild, Rockefeller. Une fortune de 500 ans, 300 ans. Ils ne font que multiplier. De sorte que quand tu nais dans cette famille, tu es automatiquement riche. Mais nous, on parle de la richesse toujours au passé. Autant d'eux, autant d'eux, autant d'eux, autant d'eux. Pourquoi ? Ils laissent quelque chose. La veuve est faible. Les orphelins sont faibles. Ils ont peur de la sorcellerie. Ils ne connaissent pas leurs droits. Et on vous arrache tout. Et vous recommencez à zéro, et à zéro, et à zéro. Aller au tribunal, ce n'est pas un péché. Le verset là que vous utilisez, Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Ça ne parle pas des tribunaux, ça parle des murmures. Un verset mal compris et mal utilisé devient une forteresse et un faux raisonnement. Lorsque tu utilises mal la Bible devient aussi une forteresse pour toi. Parce que chaque fois que tu voudras revendiquer tes droits, le diable va te donner un verset à l'envers. C'est quand Israël, sortant de l'Égypte, a commencé à murmurer au sujet des Égyptiens qui les poursuivaient, que Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Face à qui? Face aux Égyptiens. Mais ce n'était pas face aux accusations. Lorsqu'on te traduit en justice, tu as le droit de te justifier. Lorsque Paul a eu l'occasion de se justifier, il a rendu grâce à Dieu d'avoir l'occasion de se justifier devant le droit. On vient là, on t'attrape, on t'amène en prison, on dit que tu as violé. Et peut-être il parle. Non, Jésus va parler pour moi. Frère, tu vas aller en prison, parle. Mais si on te calomnie comme ça, ben, tu peux garder silence. Mais si on t'amène en prison, parle, prends un avocat qui va te défendre. Comment se fait-il que votre oncle t'a traduit en justice alors que c'est ton droit? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu te réfugier dans la prière. Et tu es en train de prier que Dieu te bénisse alors que Dieu t'a déjà béni au travers de ton père. C'est détruit cette forteresse. Elle est détruite. Elle est détruite. Elle est détruite. Qui ne se laissera pas faire? Levez les mains. Qui ne se laissera pas faire? Qui ne se laissera pas faire? Qui ira réveiller les orphelins et les veuves? Qui? Qui ira réveiller sa sœur? Qui ira réveiller son frère? Qui ira réveiller le voisin du quartier qui se laisse faire? Qui ira réveiller? Qui ira réveiller? Oh, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne une intelligence renouvelée et qui te libère de toute peur.